Éclipsés par la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi, des centaines de milliers de Japonais restent sans abri. Leur situation s'est dégradée avec le froid et la neige, et les réserves d'eau et de fioul commencent à baisser. Pour avoir du carburant, il faut faire preuve de patience et faire la queue, comme ici, dans la préfecture de Miyagi. Ici, dans la ville de Takahagi, dans la préfecture d'Ibaraki, c'est l'armée, appelée Force d'autodéfense au Japon, qui distribue une eau devenue précieuse pour les sinistrés. Cette longue file d'attente, elle, s'est formée devant un supermarché à Kensenuma, dans la préfecture de Miyagi. Et là encore, pas de précipitation, de bousculade. Tout le monde reste calme. Les réserves d'eau et de fioul sont faibles dans certains centres d'accueil. Selon un médecin de la Croix-Rouge, de nombreuses personnes tombent malades dans la ville d'Otsushi, où il apporte son aide. Certains centres d'accueil n'ont même pas de médecin.